Bonjour. Êtes-vous les héritiers du bataillon de la Belle des Mai ? Donc ce bataillon, si on peut se dire que c'était un bataillon qui était engagé dans la commune. Donc moi, je n'ai pas trop d'informations, je ne peux pas trop vous dire de quoi ça en ressort. Mais donc ce bataillon, ça voudrait dire qu'il y aurait des personnes d'origine plutôt d'autres pays qui se seraient engagées pour leurs droits. Ici à Marseille, au sein de la commune, qui était une révolte qui s'est faite plutôt à Paris, au départ, hein, parce qu'en fait, beaucoup de gens avaient faim. C'était surtout parce que les gens avaient faim. On n'entend pas trop parler de la commune, par exemple, à l'école. Moi, j'ai jamais entendu parler de la commune quand j'étais à l'école, ou au collège, ou au lycée. J'en ai entendu parler bien plus tard. Commune, il y a commun dedans, donc ça parle peut-être aussi de la réappropriation des biens, on pourrait dire communs, qui ont été un peu spoliés à la population. Parce qu'avant, par exemple, il y avait la possibilité d'utiliser le bois en forêt, ou il y avait des espaces qui étaient communs pour les habitants de ces espaces. Et maintenant, c'est de plus en plus privatif, et tous ces lieux communs et espaces communs, ils n'existent plus trop. Oui, c'est pas les personnes, mais notre association, je le vois comme ça. Parce qu'on travaille collectivement, on est solidaires, aussi on a la chaleur humaine, et c'est grâce à ça qu'on trouve notre plaisir, et toujours... Pour nous, ça, c'est la victoire, la chaleur humaine. Je ne le suis pas, mais dans mon esprit, j'ai toujours pensé que c'était une bonne cause. Malheureusement, ici à la Belle de Mai, puisque les gens ont payé le tribut, il n'y a aucune trace des communards ici. Il n'y a aucune trace, ni stèle, ni rien. On voit pas que moi-même, je ne le savais pas. Alors je pense qu'on peut dire que oui, à travers les luttes qu'on mène, parce qu'il n'y a pas que la bibliothèque, on mène aussi d'autres luttes. Donc je pense qu'on peut dire que de ce côté-là, on est des héritières du bataillon de la Belle de Mai. Oui, hein, même si on ne savait pas qu'il y avait un bataillon de la Belle de Mai, et que c'est grâce à vous que nous l'avons appris. Oui, en écoutant ce qu'ils ont pu faire, en se disant une forme de résistance, hein, différente parce que nous, c'est une résistance du 21e siècle, mais en même temps, il y a des constats que nous faisons qui nous amènent des fois plutôt au 19e. Donc oui, nous sommes des héritières. Oui, c'est 100% sûr qu'on est les héritiers du bataillon de la Belle de Mai. Comme on disait tout à l'heure, depuis l'époque du bataillon, il y a pas mal de choses qui ont changé, mais la situation fondamentalement c'est la même. Il y a des gens qui viennent de partout ici, de tous les horizons. Il y a des problèmes qui sont un peu toujours les mêmes, de questions d'injustice, d'exclusion, plein de personnes qui sont exclues de la vie en général. Et donc du coup, comme le bataillon qui a pris les armes pour changer tout ça, bah, nous on sent un peu leur héritier, où on essaie de faire des choses entre voisins pour améliorer un peu notre vie. Voilà. En quelque sorte, oui. Maintenant, dans la mise en place, je ne sais pas ce que tu en penses, dans la mise en place, la mise en œuvre de ce conseil citoyen, on en est au début. Parce qu'il est très difficile de travailler et d'être aussi partie prenante avec les acteurs économiques et décisionnaires et politiques du territoire. De toute manière, dès lors qu'on s'engage, dès lors qu'on décide de participer au débat public, on est forcément les héritiers du bataillon de la commune, puisque la commune, historiquement, c'était reprendre la décision, reprendre le pouvoir et reprendre les initiatives. Donc forcément, en tant qu'individu, dès lors qu'on milite dans quelque chose, on est les enfants de la commune, ça c'est sûr. Alors là, j'espère que dans ce que je vous ai dit, je suis pleinement les héritiers du bataillon de la Belle de Mai. Ça me fait énormément plaisir d'ailleurs d'apprendre qu'il y a un projet qui les met en avant. Et je pense que je me sens dans cette lignée. J'espère que nous, dans notre commune future,
sera un vrai bien commun pour tous, et je me bats pour ça, pour que ça soit un bien partagé pour nous tous.